Le lancement aujourd'hui de Stelia au Maroc est pour nous extrêmement important. C'est une filiale à 100% d'Airbus avec un projet stratégique très important où la première phase demande un investissement de 40 millions d'euros et la création de 400 emplois. Stelia draine avec elle tout un écosystème avec plus de 7 entreprises permettant à Stelia de fabriquer ce qu'ils sont en train de fabriquer pour Airbus et pour d'autres, ils travaillent pour Bombardier et pour d'autres. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle étape que vit le secteur aéronautique au Maroc. Nous sommes passés d'une étape où nous fabriquions des pièces à aujourd'hui une étape de fabriquer des parties complètes d'avions complexes avec l'arrivée de Stelia et je perçois l'arrivée d'autres investisseurs derrière Stelia. C'est une nouvelle étape, donc nous sommes très heureux de cet événement. Stelia Aerospace et le Maroc, c'est déjà une longue histoire d'amour puisque on a une usine déjà sur place de près de 400 personnes depuis 30 à 40 ans. Et nous avons décidé pour accompagner notre croissance en fait, de créer une deuxième usine donc au Maroc, juste sur la zone de Midpark, profitant des atouts du Maroc avec une main-d'œuvre qualifiée, des structures de formation extrêmement adaptées comme Lima, un réseau de sous-traitance aéronautique déjà présent. Et donc nous avons, il y a à peu près un an, décidé donc, d'investir dans cette nouvelle usine.